c'était vraiment une magnifique semaine. On a pu voir une sélection de films qui étaient vraiment hyper différents, de plusieurs pays, de réalisateurs, de réalisatrices, avec des thématiques aussi vraiment très très variées. Donc vraiment une chance d'avoir pu participer à ce jury et à cette belle semaine du 33e FIF. C'est vraiment un environnement à soi, à part. On fait plein d'expériences, on peut regarder des films, rencontrer des gens, on débat, c'est vraiment une ambiance vivante. On a vraiment un bon feeling et on a eu plein de discussions. Et le festival, il m'a vraiment fait voir un peu ce qui se passe derrière les coulisses. Tu as vraiment la possibilité de discuter, réfléchir, pleurer. Vraiment, tu as la possibilité de faire plein d'expériences et confronter à plein de personnes. Être jury, ça peut signifier être aussi se faire porte-parole, dans notre cas, d'une génération. On est 6 pour choisir un film, alors que le prix du public, c'est le public qui choisit un film. Du coup, je trouve qu'il y a une certaine pression à bien regarder les détails, à comprendre le sens du film et à chercher le message caché derrière pour vraiment donner une légitimité au film qui va être choisi. J'ai pas l'impression que quelqu'un est plus haut que l'autre et ça amène des discussions hyper intéressantes et que j'ai pas l'impression que je dois être ou je dois mentionner quelque chose que je sens pas. Chaque fin de séance est un moment fort. Souvent c'est des thématiques dures qui nous prennent vraiment au cœur, qui nous mettent beaucoup d'émotions et à chaque fois il nous faut tous un certain temps, des fois même une journée, pour pouvoir réfléchir et puis être prêt un peu à parler de ce film-là. Les discussions pour délibérer de quel film allait être le gagnant, qui ont pris un petit peu de temps et qui ont, pas de conflit du tout, mais voilà, juste intéressant de voir les avis de chacun et de voir quel film chacun a envie de défendre. C'était vraiment intéressant. Le récit elliptique laisse au spectateur la possibilité de saisir avec élégance et finesse les enjeux d'un épanouissement difficile pour le personnage principal. Pour toutes ces raisons, nous avons décidé d'attribuer le prix des jeunes Comundo à The Third Wife de H. Mayfair. H. Mayfair, The Third Wife du jury des jeunes.